Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique et puis ce grand soleil qui arrive depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. Qu'il est intimidant ce stade, il n'est jamais facile d'affronter Feyenoord dans The Cave. Et coup d'envoi de ce match. Feyenoord qui a gagné ses 5 derniers matchs, c'est l'une des équipes en forme du championnat. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Koum. Il allonge le jeu. Stormstra. Le jeu repart vers la droite. Il récupère le ballon. La bonne passe. C'est bien donné sur le côté. Oh, quel geste! Choric, le centre. Énorme occasion! Oh, quel arrêt de Bujari. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. La 60 fonctionne pas. Long ballon. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Il relance côté droit. Ça va sur l'aile. Ça joue long. Maintenant, le... Attention, la frappe. Oui, il frappe encore. Go. Et premier but pour le Feyenoord Rotterdam. Oh, l'opportuniste. Et quelle efficacité. Il est très malin sur ce coup-là. Il profite aisément de la défense. Il est parfait. Bien, ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Oh là là. Un long ballon vers l'avant. Ça peut aller au bout. Faut tirer là. Venlo qui essaye de construire. Dans la profondeur. Quel timing dans l'interception. Koum. Choric. Le Feyenoord qui peut avancer. Allez. Prato. Prato à droite. Centre détourné. Premier corner dans cette rencontre. Prato. Koum. Koum qui tente une passe longue. Jens Tornstra. Jens Tornstra. La relance côté droit. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. Corner et l'occasion à venir peut-être. Essayez de s'appliquer sur ces corners.
voilà une bonne occasion de contre. Dans la profondeur, bien vu. C'est bien donné. Le bon dribble. Il y a danger. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Et ce ballon sur l'aile. Frappe! Il est allé au bout de son action. Bien joué. Ah, c'est pas bien. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Prato. Il ne résiste pas au contact. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Les dégagements du gardien. Bonne interception, il y avait danger. Il file vers le but. Dans la surface. Et ce ballon devant le but. Ça joue long. Et c'est la pause ici. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. Le Feyenoord qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance et ça fait toute la différence pour le moment. Allez, on est reparti. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. C'est trop long, pas assez précis. Venlo, qui, on le rappelle, avait fait match nul de partout lors de la dernière journée. Prato, c'est joué long, attention. Frappe ! Et le gardien est présent ! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Quelle détente! Et ça fait désormais deux buts d'avance. Game over l'Écossais. Il était bien tiré ce corner et le timing parfait. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça nous donne un but. L'entraîneur a eu raison de le faire rentrer, ça paye vite. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Le Feyenoord vient peut-être de se mettre à l'abri. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Prato. Ça joue à gauche. Bien joué, ça. Il la tente. Choric. Et la touche maintenant. Il file sur l'aile gauche. C'est bien fait. Strato. Encore un but. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Facile, easy. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. C'est quand même inquiétant d'encaisser des buts comme ça. C'est soit un problème de communication, soit un problème tactique. En tout cas, il faut vite trouver une solution. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Il allonge le jeu. C'est bien donné. Face à la frappe. Il tire. Le résultat est déjà assuré, mais il continue.
pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. Venlo qui utilise les forces de son effectif. Ah, devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ça joue long vers l'avant. Le jeu repart vers la droite. Prato. Prato. Oh, le contre, l'arme fatale. Oh, le tacle. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Voilà un marquage très agressif. Vu qu'il a déjà marqué, il n'est pas impossible qu'il veuille remettre ça. Il centre, attention. Une nouvelle intervention. La tentative. Oh, la main ferme. Venlo qui effectue donc un nouveau changement. Le soutien derrière lui. On peut frapper là. Bel arrêt. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique. Il décide de le faire. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il continue sa course. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Il met la tête. Et il repique au centre. La longue passe. Il est tout seul. Il est passé. Le bon jaillissement. Le gros dégagement. Ça ne passe pas. Il écarte le jeu. Un ballon devant la cage. Oui, la frappe. Un tir très propre. Écoutez, il a raison de tenter sa chance. Les défenseurs ne montent pas au pressing, alors il frappe. C'est plutôt bien joué. C'est joué long. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, c'était dangereux. Quel geste. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça. Il faut pas se rater. Ça, c'est une interception parfaite. C'est joué long. Jens Toornstra. Prato. Il part en solo. Il continue. Long ballon dans le sens du jeu. Ce contre peut très bien aller au bout. Dans la profondeur. Čorić est bien placé. Il est passé. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est terminé, l'arbitre